Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Cuisine Marocaine. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une recette de pâtisserie spéciale pour les fêtes et pour vos invités, gourmande et délicieuse. Ne la ratez pas puisqu'elle est facile et rapide à réaliser. Alors pour les ingrédients, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, seulement 400 g de farine du blé tendre qui est tamisée, une cuillère à café du sel, la levure chimique, 7 g, aussi la levure de Bollange, une cuillère à café, un œuf, les zestes d'orange, vous pouvez aussi utiliser le sucre vanille ou bien les zestes de citron, selon le goût, 80 ml du lait, 80 ml aussi d'huile végétale et 80 g de sucre semoule. Dans un récipient, versez l'œuf, huile végétale, du lait et le sucre, le sel, les zestes d'orange et je mélange à l'aide d'un fouet. J'ajoute la farine, 400 g, la levure chimique, aussi la levure de Bollange que j'ai délayée dans un peu de sucre et un peu de lait, et je ramasse le mélange avec la main. Seulement, je la ramasse. Cette pâte est sans pétrition. Voilà. Je la laisse se reposer 10 minutes. Maintenant, passons à la manipulation. Je vais la manipuler sous forme des doigts. Suivez, comme ça. Voilà. Très facile. Et voilà. Et mettez-la sur un plat huilé. Une autre. Voilà. Je continue de la même façon pour terminer toute la quantité. Voilà.
Il y en a aussi une autre façon de manipulation. La voilà. Elle est très facile aussi. Et je coupe des morceaux de la même taille. Comme ça. Vous choisissez celle que vous préférez. Après, laissez-les se reposer de nouveau 10 minutes. Maintenant, passons à la friture. Premièrement, préchauffez l'huile à feu élevé, mais dès que je commence la cuisson, je dois l'abaisser pour qu'il puisse cuire dedans, bien dedans, à l'extérieur même à l'intérieur. Je commence par la première que j'ai manipulée. Et je continue pour terminer toute la quantité. La voilà. Elles prennent une belle couleur dorée. Je suis sûre et certaine que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Et sincèrement, n'hésitez pas de le faire. C'est très très délicieuse. Voilà. Elles ne prennent même pas 30 minutes à réaliser. Mettez-les dans le sucre sous moule pour la décoration. Voilà. Comme ça. Je vous souhaite très très bon appétit. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne Cuisine Marocaine pour plus de recettes faciles et rapides à réaliser.